Vas-y, parle. Alors, bienvenue pour cette antépénultième, je crois, conférence à distance organisée par l'Institut d'astrophysique de Paris. Et je pense que vous êtes déjà assez nombreux, vous êtes là. Donc, avant que l'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire concernant la nuit d'astronomie qui aura lieu, retenez bien la date, le 26 juin. Et qui est co-organisé par l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Université Paris-Saclay. L'intitulé de l'événement, c'est « La toile dans les étoiles », donc le 26 juin, entre 19h et 24h30, donc passé minuit. Vous pourrez trouver tous les détails de l'événement en allant sur le site de l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous verrez, on vous dira comment ce n'est pas diffusé sur YouTube, mais sur Twitch. Vous verrez tous les détails en allant sur le site. Alors, que va-t-il se passer durant cette nuit? Eh bien, le programme y figurera aussi. Vous verrez que des doctorants présenteront leurs travaux pendant quelques minutes, 3 minutes, pas plus. Des jeunes chercheurs vont venir s'exprimer. Il y aura des dessins, il y aura des questions, il y aura des animations. Et puis, la nuit tombera, donc je pense qu'il y aura aussi des observations à distance. Bref, vous verrez tous ces détails, donc... Je répète, la toile dans les étoiles, c'est la nuit de l'astronomie co-organisée par l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Université Paris-Saclay. À vos cassettes, comme disait l'Empire inverti, je crois. Ouais. Bien, alors ce soir, nous avons donc cette conférence qui va être donnée par Pierre Cox, que je vais vous présenter. Pierre Cox est un collaborateur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Il est venu chez nous il y a à peu près 2 années maintenant. Et pour le situer, disons qu'il travaille essentiellement aujourd'hui dans le domaine de l'étude des galaxies, surtout des galaxies lointaines. Et ses travaux sont basés sur des observations obtenues avec des radiotélescopes, essentiellement dans le domaine submillimétrique, et c'est ce dont il va nous parler essentiellement ce soir. Mais il travaille sur d'autres sujets, évidemment, la formation stellaire, les étoiles en formation, donc. Et ses travaux l'ont conduit à être directeur de l'Institut de l'IRAM, c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique, dont les antennes sont situées près de Grenoble, 14 ans directeur de cet établissement, et à la suite de cette fonction, il a été nommé pendant 5 ans, directeur de ALMA. Alors, je pense que maintenant, la plupart d'entre vous connaissez ALMA, c'est un observatoire, un réseau, d'antennes radio qui sont situées à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama au Chili. C'est vraiment une facilité internationale, essentiellement européenne, mais pas seulement. Et lorsqu'il était dans cette direction, eh bien, il y avait 16 antennes. Donc, il a participé à cette phase intermédiaire et a mené ce projet jusqu'à sa phase finale, puisque maintenant le système est complètement opérationnel et il comprend 66 antennes. Donc c'est vraiment une structure extrêmement complexe et extrêmement riche à utiliser. Voilà. Et lorsqu'il était directeur, il a aussi participé à mettre en place le projet NOEMA, dont je ne dirai rien puisqu'il va nous en parler ce soir. Alors, Pierre Cox donc travaille sur cet univers qui est révélé par les ondes submillimétriques. C'est pour cela que c'est essentiellement l'univers froid, puisqu'on parle beaucoup de molécules et d'atomes à des niveaux d'énergie très bas. Donc, c'est de cet univers froid que Pierre va nous parler ce soir. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Pierre, c'est à toi de jouer. Bien. Merci beaucoup pour cette introduction, Daniel. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue de manière virtuelle à cette conférence de l'IAP. Et
vous dire mon admiration que vous assistiez à cette conférence alors que c'est la fin de l'après-midi, c'est une jolie journée de presque d'été. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aimeraient être sur des terrasses ici et ailleurs. Je ne vais donc pas trop prendre votre temps, mais je vais essayer d'être aussi bref que possible et complet, et vous donner un aperçu en fait, de ce qu'on appelle l'univers froid et comment l'explorer, en particulier avec ces grands instruments que vous voyez ici sur, en haut et en bas, qui sont Noema et Alma. Comme vous avez dû voir, l'affiche qui a été mise sur YouTube par Jean Mouette, et vous voyez donc là un renard que j'ai eu l'occasion de rencontrer moult fois à 5000 mètres, et je commenterai là-dessus vers la fin de mon exposé. Alors tout d'abord, quand vous êtes à 5000 mètres, avec ici les antennes d'Alma durant la nuit, vous avez cette vision absolument merveilleuse de la voûte céleste, remplie d'étoiles bien entendu, mais comme nous sommes dans l'hémisphère sud, vous avez la Voie lactée qui est vraiment au zénith ou presque, avec toutes les couleurs que vous voyez ici, et puis vous voyez aussi sur la gauche de l'écran les nuages de Magellan. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que vous voyez à l'œil. Et ce dont je vais vous parler donc aujourd'hui, c'est toutes les choses que vous ne voyez pas à l'œil, et en particulier, si vous regardez dans la Voie lactée, les parties qui sont sombres, qui sont celles qui deviendraient extrêmement brillantes lorsque vous auriez un œil ou une vision qui était à peu près similaire à celle qu'ont les antennes d'Alma ou de Noé. Alors tout d'abord, une rapide présentation du spectre électromagnétique, je suis sûr que vous le connaissez tous, mais pour vous rappeler en fait que notre œil, qui est sensible dans le visible, regarde une toute petite fraction en fait du spectre qui a été émis par les objets célestes. Et si vous regardez en bas, vous voyez en fait une échelle en température, et vous verrez tout de suite que notre œil en fait est sensible à un rayonnement qui trace en fait une matière extrêmement chaude, de l'ordre de à peu près 10 000 degrés Celsius. Et c'est pour ça que vous voyez essentiellement une voûte céleste remplie d'étoiles. L'univers froid, en fait, est essentiellement tracé par les ondes infrarouges et submillimétriques et millimétriques, donc de l'ordre de 1 mm et en dessous, en fréquence de l'ordre de 100 GHz à 1 THz. Et vous voyez que les températures qui sont sondées par ces fréquences-là, par ces ondes, sont des températures qui sont beaucoup, beaucoup plus basses, qui sont proches du zéro absolu, autour de moins de 150 degrés Celsius à peu près. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le terme d'univers froid. Et j'ai essayé d'expliquer dans cette présentation, en fait, quel est l'intérêt d'étudier, en fait, cet univers froid. Alors, tout d'abord, comme vous le savez tous, aujourd'hui, l'astronomie est une astronomie multi-longueur d'onde, multi-fréquence, et c'est quand même quelque chose de récent quand on regarde l'histoire globale de l'astronomie. Mais c'est essentiel car, en fait, c'est par ces études multifréquences qu'on a une vision globale et complète de tout ce qui peut se passer dans un objet aussi compliqué qu'une galaxie, par exemple. Donc, je donne ici un exemple qui, pour illustrer cela, qui est Centaurus A. Vous voyez ici une image en optique. Donc, vous voyez bien le centre, le disque de bien de poussière qui absorbe la lumière des étoiles. Ici, vous voyez la même chose, mais dans l'infrarouge. Et donc, ce que vous voyez, c'est les nuages sombres qui ont été. La poussière a été illuminée par les étoiles et s'est réchauffée et donc émet dans l'infrarouge. Voici une image obtenue avec ALMA qui trace le gaz moléculaire, le carbone, le monoxyde de carbone. Donc, quelque chose qui est très proche en fait, de ce que vous voyez dans la poussière. Voici la même galaxie, mais vue dans le domaine radio, où vous voyez en fait des jets bipolaires qui sont émis par le cœur actif de cette galaxie, par le trou noir. Et ces jets chauffent le gaz qui entoure la galaxie et émet en fait dans les rayons X, donc à des températures extrêmement élevées. Donc voici l'image composite de cette galaxie, et c'est un peu comme une série de poupées russes. Et si vous n'avez qu'une vision comme celle que nous avons dans le visible, vous comprendrez qu'on a une vision très limitée en fait de cet ensemble extraordinairement complexe que forment
un objet comme une galaxie. Donc, une autre chose que je voudrais aborder ici, c'est l'absorption atmosphérique. Vous voyez donc ici les différents régimes du radio rayon gamma, et vous verrez immédiatement qu'en fait, la plupart du rayonnement qui est émis par les corps célestes est absorbé par l'atmosphère. Ce n'est pas vrai pour le visible, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sensibles à la lumière du soleil, pour des raisons de simplement pour survivre. Mais il y a d'autres domaines, comme par exemple les ondes radio, qui effectivement transmettent l'atmosphère. En ce qui concerne les ondes millimétriques et submillimétriques, vous voyez qu'il y a une grande absorption de l'atmosphère, et donc la transmission dépend véritablement de où vous êtes par rapport à la surface de la Terre. Et donc, plus vous montez, plus la transmission devient meilleure. Et donc, les instruments dont je parlais, les observatoires, sont situés l'un dans les Alpes à 2500 mètres et l'autre, Alma, au Chili, dans les Andes à 5000 mètres. Évidemment, si vous voulez vous en franchir encore mieux, vous allez dans un avion comme Sophia qui vole à 12 km. Et si vous avez beaucoup d'argent, vous allez carrément dans l'espace et vous n'avez plus de problème. Alors, quels sont les télescopes qui observent dans le domaine millimétrique, sous-millimétrique? Il y en a de deux types. Il y a d'abord des antennes uniques qui sont souvent très grandes, jusqu'à 30 mètres, par exemple dans le cas de l'IRAM, mais en général, c'est de l'ordre de 10 mètres, 20 mètres. Et vous voyez ici toutes les antennes qui sont aujourd'hui opérationnelles sur la surface du globe. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, puisque ça a joué un rôle prépondérant dans un des résultats majeurs obtenus par ces instruments. Vous voyez qu'ils sont aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et un est à peu près à l'équateur, en fait proche de l'équateur, qui est celui au Mexique. L'un est aussi au pôle sud. Les instruments qui sont ce qu'on appelle les interféromètres, et je commenterai là-dessus tout à l'heure, sont moins nombreux, ils sont beaucoup plus complexes. Il y en avait plus avant, mais à cause de la construction d'ALMA, en particulier les interféromètres au Japon et un autre interféromètre en fait sur la côte ouest des États-Unis ont fermé. Et aujourd'hui, il y a essentiellement trois grands interféromètres. Je ne parlerai pas tellement de celui en Australie parce qu'il travaille surtout à des longueurs d'onde qui sont plus grandes que le millimétrique ou le semi-millimétrique. C'est donc l'IRAM avec NOAA. Il y a le Submillimeter Array qui est à Hawaï, mais dont je ne parlerai pas beaucoup, sauf pour cet intéressant résultat qui est paru l'année dernière, et bien sûr ALMA au nord du Chili. Alors d'abord, le projet de NOAA de l'IRAM. Donc l'IRAM, c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique qui est situé à Grenoble, qui a en fait à sa charge deux grands instruments, qui sont le 30 mètres, qui est un télescope unique, qui est situé en Espagne, et l'interféromètre sur le plateau de Bure, près de Gap, dans les Alpes françaises. Lorsque j'étais directeur, on a organisé en fait un énorme projet pour doubler le nombre d'antennes qu'il y avait à l'époque, qui était de 6. C'était des antennes de 15 mètres, et l'interféromètre du plateau de Bure, qui existe maintenant depuis 40 ans, ou 30 ans, à peu près 35 ans, a joué un rôle absolument majeur dans beaucoup des aspects de cette exploration de l'univers. L'idée était d'augmenter le nombre d'antennes, de passer de 6 à 12 antennes, de remplacer tous les récepteurs ainsi que le corrélateur, donc l'électronique qui gère en fait les signaux reçus par les antennes, et de même d'étendre les lignes de base, donc la distance maximum entre les antennes, de doubler de 0,8 à 1,6 km. Donc aujourd'hui, le projet est terminé pour la phase 1, avec 10 antennes, et aujourd'hui, la 11e antenne est en construction, l'antenne 12 a été financée, et les lignes de base sont en train d'être étendues. Donc voici des images d'année en année, de chaque fois une antenne de plus, comme vous pouvez peut-être le compter si vous êtes rapide, avec les 10 antennes opérationnelles depuis septembre 2018. Et voici une image prise en fait d'avion, où vous voyez aussi le site spectaculaire du plateau de Bure, situé à 2500 mètres, avec derrière tout le hall de maintenance et les contrôles et aussi l'endroit où vivent les gens. Vous voyez aussi que les antennes peuvent se déplacer ici sur des rails et des lignes de base qui sont nord-sud et est-ouest. ALMA est situé au Chili, à 5000 mètres d'altitude. C'est un réseau bien plus important de 66 antennes de 50 avec 12 mètres de diamètre, et ensuite ce qu'on appelle un compact array qui a 4 antennes de 12 mètres et les autres de 7 mètres de diamètre.
Et ces instruments sont basés sur le principe de la sintus d'ouverture et qu'on en fait fonctionne comme un seul instrument et avec une fonction de zoom, je dirais. Et pour Alma, en fait, et peut couvrir l'ensemble des longueurs d'onde accessibles du sol jusqu'à 1 terahertz. Les antennes sont situées à 5000 mètres. Elles peuvent être dans une configuration compacte où la distance maximale entre les antennes est de l'ordre de 100 mètres et jusqu'à des configurations très étendues allant jusqu'à 16 km. Et là, les antennes se déplacent avec deux camions. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas simple du tout de faire ça à 5000 mètres. Tout est opéré depuis à 3000 mètres et où vous voyez l'ensemble des bâtiments. C'est très complexe. Le jour, en fait, à Alma, il y a à peu près 150 personnes qui travaillent jour et nuit. Ça a été construit pour 30 à 50 années de fonctionnement. Donc, voici une vue du plateau de Chasnantor, qui veut dire dans la langue Kunza de l'Atacama, en fait, le pays du départ. C'est un pays sacré, d'ailleurs, pour les Atacameños. Et si vous regardez bien, en fait, vous apercevrez au milieu de cette image, vaguement, l'ensemble des antennes ALMA. Le site est tellement grand, les pics font 6000 mètres, que tout devient extrêmement petit lorsque vous regardez de très loin. Voici une vue aérienne, la seule que je connaisse prise par un avion, lorsqu'il n'y a pas encore toutes les antennes, mais vous voyez bien en fait les antennes ici avec le paysage merveilleux et le salar de l'Atacama en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que la synthèse d'ouverture? C'est essentiellement de faire en fait en sorte que vous avez un instrument qui a à peu près la sensibilité et surtout la résolution angulaire d'un télescope qui correspondrait à la distance maximum entre les antennes. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, avec ALMA, vous avez jusqu'à 16 km. Avec NOEMA, bientôt, vous aurez jusqu'à 1,4 km. Donc, en gros, vous avez la résolution angulaire d'un télescope qui ferait 16 km de diamètre. Évidemment, de construire un télescope de 16 km de diamètre, il s'écraserait sous son propre poids, donc c'est impossible. Et l'idée, c'est donc de peupler, de remplir en fait cette surface virtuelle avec des antennes individuelles, avec des diamètres les plus grands possibles et surtout avec le plus grand nombre possible d'antennes. Évidemment, il y a des affaires de budget. Et donc, dans le cas d'ALMA, ces 50 antennes de 12 mètres peuvent se déplacer sur le plateau. Et le principe fondamental ici, c'est que vous voyez que vous remplissez de manière non homogène, imparfaite, la surface de cette antenne. Mais lorsque vous observez la même source avec toutes les antennes, la Terre tourne et en se tournant, elle change la position relative des antennes par rapport à la source. Et vous remplissez petit à petit ainsi la surface virtuelle. Et c'est en fait comme si vous aviez une antenne de 16 km de diamètre. Donc vous utilisez la rotation de la Terre en fait pour faire de l'imagerie, des observations. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les techniques. Les antennes sont vraiment le nec plus ultra de ce qu'on sait faire. Il faut une pression de surface énorme. Et derrière ces antennes, il y a toute une armée en fait, de récepteurs hétérodynes très sophistiqués, dont je donne la liste ici. Vous voyez que pour ALMA, en fait, on couvre tout ce qu'on appelle les fenêtres atmosphériques, c'est-à-dire les fenêtres à travers lesquelles les ondes passent, sont transmises. Vous voyez qu'il y a des grands trous, en fait, c'est les choses blanches, où essentiellement l'eau, mais aussi l'oxygène et d'autres espèces dans l'atmosphère terrestre bloquent en fait, le rayonnement céleste qui nous parvient sur l'atmosphère. Tous ces récepteurs sont des récepteurs hétérodynes et le commentaire technique que je ferai ici, c'est qu'ils permettent en fait, de mesurer avec une très grande finesse la lumière qui vient des sources célestes avec des précisions en fait, qui correspondent en vitesse à l'ordre de quelques dizaines de mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer avec ces antennes, avec ces instruments? Alors, la première chose que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous regardez la Voie lactée, vous voyez des zones noires. Ici, bon, ce n'est pas des endroits où il n'y a rien, c'est en fait des nuages de poussière qui bloquent donc, la lumière des étoiles qui sont derrière et réémettent dans l'infrarouge ou, quand c'est très très froid, dans le milieu millimétrique ou sous-millimétrique. Donc, la poussière, en fait, c'est un élément qui n'est pas très très abondant. À peu près 1% de la matière est composée de poussière. Mais la poussière joue un rôle absolument prépondérant pour un tas de raisons, en particulier parce que sur la surface de la poussière, il peut y avoir des réactions chimiques, donc la complexification de la matière, mais aussi ça joue un rôle de régulateur thermique, etc., et joue un rôle fondamental dans l'effondrement des nuages pour former des étoiles.
Donc c'est vraiment très très beau, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, mon Dieu, avec toute cette poussière, il faut faire le ménage. Alma aussi, évidemment, non seulement est sensible à la poussière froide, mais de manière très importante, c'est la région spectrale dans laquelle il y a à peu près toutes les transitions fondamentales des molécules, mais aussi de certains atomes, qu'on peut détecter. Et on peut dire avec cette justification que l'émergence de l'astronomie millimétrique a donné lieu en fait à l'émergence du domaine de l'astrochimie qui a pris de plus en plus d'ampleur, en particulier avec la détection de molécules de plus en plus complexes. Aujourd'hui, on connaît à peu près 250 molécules distinctes dans le milieu interstellaire et c'est un chapitre tout à fait foisonnant dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, que font et que feront NOEMA et ALMA? Donc, essentiellement, les deux instruments sondent les origines cosmiques de la formation des premières galaxies à la formation des étoiles dans les galaxies proches et dans la nôtre, la formation des planètes autour des étoiles proches et aussi, comme je le disais tout à l'heure, la chimie dans les nuages sombres et les nouveaux systèmes solaires. Donc, je vais faire un aperçu en fait, de ce que NOEMA et ALMA ont fait avec un petit biais pour ALMA, parce que c'est de loin les résultats les plus spectaculaires, en allant du système solaire, qui est donc proche, de plus en plus loin jusqu'aux sources les plus lointaines qu'on a pu détecter avec ces instruments. Donc voici un résumé de ce qu'ALMA a fait avec le système solaire. Donc je vais être assez rapide, je vais montrer deux résultats. Le premier, c'est le Soleil. Alors vous allez me dire, mon Dieu, le Soleil, ce n'est pas du tout froid. Il faut savoir qu'ALMA en fait, a été conçu et construit tel quel pour pouvoir en fait, mesurer le Soleil. Et c'est aujourd'hui le seul instrument dans ce domaine qui peut le faire. Et donc ça joue un rôle important. Pourquoi c'est intéressant de regarder le Soleil dans les domaines millimétriques, sous-millimétriques? C'est que là aussi, en fait, on regarde la partie froide du Soleil. Donc, en gros, ce qu'on regarde, c'est la chromosphère, quelque chose qui est en fait pas encore très, très bien connu. Donc, voici une image en optique dans une raie de H-alpha en hydrogène prise le 18 décembre 2015. Et voici la même image prise avec une antenne ALMA à 650 GHz, donc à haute fréquence. Vous voyez apparaître en fait toutes les taches solaires de manière très, très claire. Et donc voici en fait une de ces taches solaires vue ici en optique et le même jour avec une résolution identique avec ALMA à 650 GHz avec je crois une trentaine d'antennes ici. Donc en fait ce que vous voyez, donc vous sondez la chromosphère, vous voyez qu'il y a des grandes différences entre l'optique et le millimétrique et c'est un sujet en fait de grand intérêt pour les gens qui étudient notre Soleil, mais de façon générale aussi les étoiles. Un autre exemple récent, c'est cette image spectaculaire de Jupiter, que vous avez tous reconnu, mais qui montre ici en fait une carte de la distribution d'ammoniac à 50 km sous la surface des nuages. Et donc vous avez aussi la dynamique, et donc la vitesse de déplacement de ces nuages, et ça permet de vraiment sonder en fait les couches en dessous des nuages superficiels de Jupiter et de mieux comprendre en fait la structure interne. J'ai trouvé très intéressant de comparer cela avec un résultat récent obtenu avec Gemini, qui est en fait une image, ce qu'on appelle Lucky Imaging, où on prend un tas d'images très très rapides et on garde les meilleures. Et donc ici, c'est dans l'infrarouge proche, où vous sentez aussi sous les nuages, et vous voyez bien que pour la partie nord, ici, vous avez une concordance assez frappante entre les différentes zones que vous observez. Alors maintenant, je vais passer à la formation des étoiles et des planètes. Donc, juste pour situer le processus, les étoiles naissent en fait d'un effondrement de matière, d'un grand nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous son propre poids, en fait, et qui petit à petit s'aplatit par conservation du moment angulaire et forme un disque avec toute une matière autour qui commence à tourner. Et en son centre, il y a donc une étoile qui va se former. Donc c'est l'endroit le plus dense où les réactions thermonucléaires vont pouvoir démarrer. Et ensuite, toute la matière qui n'a pas servi à former l'étoile continue à tourner autour de cette étoile et éventuellement à former des planètes après un temps qui est assez long, qui est de l'ordre de 50 millions d'années. L'intérêt ici, c'est que c'est de remarquer que ALMA est capable finalement d'observer quasiment toutes les phases de cette évolution de la formation des étoiles jusqu'aux étapes ultimes, en fait, dernières étapes de l'évolution des nébuleuses qu'on dit de protoplanétaires. Alors, l'autre aspect aussi, rapidement, c'est que
il y a cette question de savoir comment se forment les planètes, mais aussi comment évoluent ces petits grains dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, dans le milieu interstellaire, sont de l'ordre tout petit, de l'ordre de quelques microns, mais qui, lorsqu'ils sont dans des nuages, commencent à croître, à interagir et à former en fait des agglomérats de plus importants, du millimètre à des mètres, et puis ensuite forment des rochers, des rocs, des comètes, et finalement aussi des planètes. Alors, ALMA, en fait, et NOEMA peuvent, avec leur onde millimétrique, sous-millimétrique, observer directement la poussière qui est petite, donc on peut observer ça. Il y a les exoplanètes, mais entre les deux, les barrières de croissance, les dérives radiales, la fragmentation, tout ça, c'est un domaine encore très, très peu compris et où on demande en fait d'avoir de plus d'observations et de compréhension sur cette évolution très importante. Alors, ici, c'est une modélisation d'un effondrement d'un nuage qui reprend un peu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez le temps ici en haut, c'est un modèle possible. Et vous voyez, en fait, petit à petit, l'aplatissement, leur rotation et les formations très complexes, en fait, de bras spiraux, de structures autour de la condensation centrale qui est l'étoile, avec des choses de plus en plus complexes qui arrivent. Tout ça est géré, évidemment, par l'effondrement, mais aussi par la formation, petit à petit, de planètes qui ensuite interagissent et perturbe en fait le gaz qui n'a pas servi à former du tout. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'autre intérêt qui est très intéressant pour le domaine millimétrique sous-millimétrique, c'est que vous êtes en fait transparent à ces nuages de poussière, et donc vous pouvez regarder à travers, littéralement dans les nuages de poussière, puisque vous n'êtes pas du tout sensible en fait à l'absorption, comme l'est par exemple le visible ou l'ultraviolet. Voici une image optique. Vous voyez en fait en haut à gauche un effet bien visible d'un jet en fait d'une étoile qui est jeune. Et ici c'est la même image, mais avec la contrepartie que vous ne voyez pas en visible, mais qui est ici mesurée avec ALMA, qui vous démontre en fait que toute l'action se passe au sein de ce nuage et que sans ALMA, vous n'avez qu'une vision très très parcellaire des activités de cette étoile très jeune. Alors, les étoiles, en fait, quand elles sont jeunes, elles naissent, elles éjectent des flots très, très puissants, très énergétiques, qui perturbent et impactent le milieu ambiant par diverses manières, en particulier en détruisant, en fait, le nuage moléculaire dont ces étoiles sont nées. Alors, voici un exemple qui est Orion, avec en bas le nuage moléculaire qui a donné naissance aux étoiles d'Orion. Vous voyez donc la barre, en fait, la surface de du nuage qui est impactée par la lumière ultraviolette, rayonnement des étoiles et donc réémet. Et je vous montre ici, en fait, une image ALMA autour des étoiles, vue dans l'arrêt du monoxyde de carbone, avec différentes vitesses qui sont ici colorées, avec des vitesses qui vont en excès de 100 km par seconde. Et vous voyez en fait qu'il y a des jets qui vont un peu dans tous les sens, y compris le vert, qui sont tous très très loin, et qui tracent l'activité en fait extrêmement énergétique des flots bipolaires qui ont été éjectés par ces étoiles lorsqu'elles étaient jeunes dans le milieu ambiant et qui ont littéralement détruit, ruiné le nuage moléculaire dans lequel elles sont nées et amènent en fait à des processus tout à fait intéressant, énergétique, de destruction, de photoionisation, etc. Je reviens ici maintenant et à ce front de photodissociation qu'on apprend, donc le bord du nuage moléculaire. Et je vais vous montrer ici une image ALMA qui vous montre vraiment qu'un nuage est un nuage moléculaire, dans le sens où là, vous voyez véritablement toute la structure détaillée de ce nuage moléculaire en rouge. En haut, vous avez en fait des traceurs du gaz ionisé, donc le gaz chaud, et voyez vraiment que ce gaz en fait impacte, fragmente en petits morceaux, je dirais, cette structure du nuage moléculaire. Je trouve cette image est magnifique parce que pour moi, c'est l'une des rares images que j'ai jamais vues d'un nuage moléculaire qui ressemble véritablement à un nuage tel qu'on les connaît sur la Terre. Maintenant, l'autre domaine tout à fait, je dirais, révolutionnaire, surtout pour ALMA, est le domaine en fait de cette matière qui est entoure des étoiles jeunes, donc ce qu'on appelle le disque protoplanétaire, qui est la matière dans laquelle en fait les planètes vont naître, vont se former et vont évoluer. Alors voici en fait un tableau de chasse, je dirais, de disques qui ont été mesurés dans le domaine millimétrique et sous-millimétrique avec des instruments avant ALMA, donc c'était vraiment
ce qu'on savait faire de mieux. Et la prochaine image, en fait, sont exactement les mêmes objets, mais vus avec Alma. Et vous voyez tout de suite, en fait, qu'il y a un saut énorme dans la qualité, aussi bien dans la résolution angulaire que dans la sensibilité, qui vous permettent de vraiment voir des détails de tous ces objets, et de voir aussi que d'objet à objet, vous avez des grandes variétés, des anneaux, vous avez des bras spiraux, vous avez des choses compliquées comme en bas à gauche, etc. Et donc, il y a quand même des choses qui se répètent, mais il y a aussi une très grande variété. Donc, juste pour vous montrer l'objet d'en haut, qui est HL Tau, qui est en fait le premier objet qu'on avait mesuré avec les très grandes lignes de base en 2016, si je me rappelle bien, ou 2015, non, 2015. Et vous voyez, en fait, ici, une comparaison en rouge, donc c'est Alma, et en bleu, c'est ce que vous voyez avec un télescope optique, ici, avec le meilleur qui soit, qui est le Hubble Space Telescope, HST. Et ce que vous voyez, en fait, vous ne voyez absolument rien du disque protoplanétaire parce qu'il est enfoui encore dans le nuage dans lequel il est né. Et ce que vous voyez en bleu, c'est la lumière qui est diffusée sur les grains de poussière de ce nuage, et c'est la lumière stellaire, en fait, qui est diffusée sur les grains de nuage. Donc, vous voyez vraiment cette de halo, mais qui ne vous donne aucune indication sur toute la structure, toute la morphologie et toute la richesse qui est en fait enfouie dans ce nuage de poussière. Voici une série en fait de nouveaux objets qui ont été mesurés avec ALMA, donc je laisse dévoiler un tout petit peu. Je fais quelques commentaires ici encore que essentiellement chacun de ces objets est très très différent. Il y a des différences entre les anneaux que vous voyez, parfois ils sont remplis, parfois il y a des trous entre les anneaux, il y a des bras spiraux, etc., etc. Donc très grande variété, des choses inouïes à apprendre, et je pense que ce genre d'image, en fait, moi je regarde toujours ça avec étonnement, parce qu'on n'avait finalement aucune idée de la richesse de variété qu'il y avait ces objets. Un peintre à peu près, il y a un siècle, c'est Kandinsky, fait cette magnifique aquarelle qui est en fait comme une espèce de résumé de ce qu'a vu Alma. Alors, quelle est l'origine des anneaux? En fait, je vais être rapide, mais essentiellement, on pense en plus que ces anneaux sont en fait dus à des planètes avec des masses qui sont à peu près inférieures à la masse de Jupiter. Et donc, en bas, vous avez un modèle qui reproduit relativement bien ce qu'Alma a observé. Et c'est un domaine en pleine expansion. On regarde aussi bien la morphologie du gaz que de la poussière. Alors, récemment, il y a à peu près deux ou trois semaines, il y a un résultat absolument spectaculaire qui a été publié et qui montre véritablement la présence très probable d'une planète en train de se former dans le système de AB Origé. Donc, voici d'abord donc, l'image obtenue avec ALMA, qui est déjà très surprenante. En rouge, vous voyez l'émission de la poussière. Donc, vous voyez un disque assez étendu, puis au centre, si vous regardez bien, vous voyez aussi quelque chose de rouge, donc la poussière autour de l'étoile centrale. Et dans son milieu, vous voyez des choses bleues qui sont en fait l'émission du monoxyde de carbone qui a été mesuré avec ALMA. Et vous voyez en fait deux espèces de bras spiraux avec une structure très, très à angle droit au centre qui entoure l'étoile et qui est très spectaculaire. Récemment, donc, un papier a été publié suite à ses études avec ALMA en utilisant le VLT avec un instrument qui s'appelle Sphère et pour lequel vous êtes sensible à l'émission infrarouge proche et qui vous permet de regarder la lumière diffusée sur les grains de poussière. Donc, voici l'image complète de Sphère. Vous voyez que c'est quelque chose comme une espèce de tourbillon cosmique en fait, extraordinaire. Et alors, je marque ici dans le petit carré ce que ALMA en fait a mesuré. Donc vous voyez que cette espèce d'anneau de plus intense est mesuré dans la poussière avec ALMA et que les bras spiraux, les structures spirales que vous voyez au centre avec ALMA sont aussi vues avec Sphère. Alors pour mieux voir ça, vous voyez ici la structure. Vous retrouvez cette structure en presque en angle droit au centre. Et pour continuer donc ici, je vous montre le gaz moléculaire, donc on a aussi la dynamique qui vous montre en fait la structure des bras spiraux qui ont une dynamique qui est en fait compatible avec une rotation keplérienne comme ce qu'on voit dans le système solaire. Vous voyez en fait à gauche le cercle donne le rayon le diamètre de Neptune dans le système solaire pour vous donner une idée des dimensions de cet objet et les deux triangles ici dans l'image, vous montre la position de deux planètes qu'on suppose être là
et qui en fait permettent d'expliquer de manière très très détaillée la présence et la morphologie de ces bras spiraux dus en fait à des ondes de densité. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'avec ALMA, avec le VLT, le proche infrarouge, on arrive à véritablement sonder les détails de ce que sont les nébuleuses protoplanétaires, les structures et la présence quasi certaine en fait de planètes de type masse Neptune au sein de ces systèmes. On peut également regarder ces objets dans le gaz moléculaire, et donc voilà des exemples. Vous voyez qu'en fait c'est très riche en chimie, il y a plusieurs molécules qui sont tracées ici. Donc, je vais passer assez rapidement, mais vous retrouvez en fait les mêmes morphologies. Avec les molécules, vous avez intérêt évidemment que vous avez aussi la dynamique. Et récemment, il y a eu un résultat intéressant. On a trouvé en fait des détections de sel, donc NaCl et KCl, dans un jeune disque dans le nuage d'Orion, donc je vous parlais tout à l'heure. Et probablement, c'est le résultat de destruction des poussières par l'action de ces flots bipolaires que je montrais tout à l'heure des étoiles massives environnantes. Alors, plus de 60 transitions ont été identifiées, c'est la première détection dans le milieu interstellaire de ce type de molécules. Alors, très rapidement, en fait, sur la chimie et l'évolution, etc., c'est un domaine très, très vaste et très compliqué, parce que quand le nuage s'effondre, vous avez des glaces qui se forment sur la surface des poussières parce que le milieu est très, très froid. Quand ça s'approche proche de l'étoile, en fait, la température augmente, ça se sublime et la glace injecte des molécules nouvelles dans la glace, dans la phase gazeuse. Et ensuite, des glaces sont de nouveau formées sur la surface des grains de poussière avec une composition différente. Donc, toute cette évolution est extrêmement difficile à observer, surtout, et surtout à comprendre. Il y a beaucoup d'expériences maintenant en laboratoire pour comprendre comment ces molécules se forment, mais aussi, évidemment, des modèles chimiques pour comprendre l'évolution. Alors, très rapidement, donc ça c'est un objet qui se retrouve dans Rho Ophiuchus, qui a ce nom de bottin de téléphone, et qui est une étoile protostellaire assez proche, de faible masse, qui a une chimie extraordinairement riche et qui a été d'ailleurs un objet dans lequel on a détecté les premières molécules organiques complexes, ainsi que prébiotiques. Alors, pour donner une idée, donc c'est un projet qui a été fait il y a deux ou trois ans avec ALMA, ça a été plusieurs heures en fait d'observation pour un spectre complet à 350 GHz. Voici le spectre en fait, de cet objet anodin, un petit nuage en fait, qui vous montre la richesse extraordinaire de molécules. Toutes les raies que vous voyez ici sont réelles, il y a à peu près 10 000 raies, et quelques pourcents de petites molécules non organiques, un tiers de molécules organiques saturées, un tiers de variantes isotopiques de ces molécules. Donc il y a toute une richesse incroyable, même dans un objet simple du milieu interstellaire. Alors, une complexité croissante, on trouve de l'acétone, du propanal, de l'acétylénine, de l'éthylène oxyde. Et toutes ces molécules, en fait, sont des tests importants pour comprendre, en fait, l'évolution de cette matière et ce que j'appelle la complexification de la matière au moment de former les étoiles. Alors, un autre résultat tout à fait surprenant, extraordinaire, récent, a été la détection, en fait, de molécules phosphorées dans une région de formation stellaire dont le nom est donné ici. On a trouvé deux molécules, l'oxyde de phosphore et le PN avec l'azote, et donc c'est en vert ici dans cet objet. Mais ce qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, en regardant à nouveau les données des spectros de Rosina à bord de Rosetta, de cette comète Chourvie-Mouffe-Gerasimenko, on a trouvé en fait aussi ces molécules, et donc il y avait un lien évident entre le nuage à partir duquel se forment les étoiles, les comètes, l'impact de ces comètes sur les planètes et l'éventuelle apparition de la vie comme sur la Terre. Comme vous le savez, les molécules phosphorées jouent un rôle prédominant dans tout ce qui est l'apparition de la vie et son évolution. Alors finalement, pour finir sur la chimie, pour vous donner un très joli résultat obtenu avec le 30 mètres de l'IRAM, voici une image bien connue donc, d'Orion avec la tête de cheval. Et voici exactement le même champ, mais vu à travers plusieurs molécules. C'est une quinzaine de molécules différentes qui sont aussi codées par différentes couleurs. Vous voyez en fait la structure du nuage moléculaire avec toute la structure, la distribution de ces molécules qui vous donne des indications très intéressantes, non seulement sur la chimie, mais aussi sur les conditions physiques de ce nuage qui est impacté par le rayonnement ultraviolet des étoiles que ce nuage a formé. Alors, rapidement, des étoiles évoluées, donc des étoiles naissent, mais elles meurent aussi. Et lorsqu'elles évoluent, elles éjectent leur matière dans le milieu interstellaire. Donc, voici un exemple d'une étoile double dont l'un des
les composantes perdent sa matière et donc cette magnifique structure spirale que vous voyez donc ici en film, vous voyez en fait les différents canaux de différentes vitesses et vous sondez véritablement l'ensemble de l'éjection de cette coquille dans le milieu interstellaire. Un autre exemple tout récent, c'est au moment de transition de la fin d'évolution de l'étoile vers une phase qui s'appelle la nébuleuse planétaire, il y a des jets qui sont émis pour des raisons qui ne sont pas encore complètement comprises et qui est un phénomène extrêmement bref. Et là, ça a été vraiment détecté à peu près une dizaine d'années ou une vingtaine d'années après le démarrage de cet événement. Et vous voyez donc ici le jet extrêmement bipolaire éjecté par l'étoile centrale dans la matière environnante. Donc finalement, les étoiles très très massives forment des supernovas, explosent, dont l'exemple le plus connu proche de nous était la supernova 1987A dans le petit nuage de Magellan. Et vous voyez ici différentes représentations de cette supernova dans le visible, dans le rayon X, mais aussi avec ALMA. Et l'intérêt ici d'ALMA, c'est qu'ALMA détecte directement la poussière qui a été formée dans la supernova. Et c'est une détection donc, qui a été faite à peu près 25 ou 30 ans après l'explosion de la supernova. Et ce qu'on voit là, c'est vraiment de la poussière fraîchement fabriquée par cette explosion de supernova. La masse de poussière est à peu près un tiers de la masse solaire. Maintenant, je vais aller de plus en plus loin, d'abord dans les galaxies proches, dans les quelques minutes qui suivent, et ensuite je vais finir dans l'univers très lointain. Donc, la résolution angulaire et la sensibilité d'ALMA, de NOEMA, permet en fait de sonder de manière tout à fait remarquable des galaxies proches, des grandes structures spirales, et de comparer en fait le gaz moléculaire avec ce qu'on connaît par ailleurs, la poussière, les étoiles, le gaz atomique H1, l'hydrogène, et de comprendre en fait comment se forment les étoiles, quelle est la distribution des nuages moléculaires, comment ça évolue, pourquoi il y a des structures spirales, etc., etc., etc. Voici une comparaison en bleu avec une image obtenue avec NOEMA de Messier 51, comparée en rouge avec l'émission de la poussière, et ici la même chose en bleu, donc le CO, comparé avec la distribution des étoiles. Vous voyez très bien qu'en fait, il y a une dichotomie entre les étoiles et ces nuages de CO, mais par contre qu'il y a une bonne concordance en fait, entre le CO et la poussière, ce qui est en fait évident puisque dans les nuages de gaz, il y a aussi de la poussière. Vous avez aussi, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez mesurer la dynamique, et donc voici donc, l'image intégrée sur toutes les vitesses, et voici en bleu le gaz qui se rapproche de vous, et en rouge celui qui s'éloigne de vous, avec le vert intermédiaire, qui vous donne en fait la grande structure globale de la dynamique de cette galaxie. Il y a beaucoup d'exemples, en fait, il y a des programmes qui sont faits, et voici des exemples avec ALMA sur un nombre de galaxies, avec une richesse de structure en fait, qui approche maintenant ce qu'on connaît ou ce que vous connaissez des images optiques. Mais là, ce que vous voyez, en fait, c'est le gaz moléculaire dans ces galaxies, et chaque nuage forme des étoiles. Alors maintenant, je vais passer à un autre aspect des galaxies, qui est le cœur des galaxies, le cœur actif, qui sont les trous noirs. Et donc, voici un exemple qui est Hercules A, qui est une radiogalaxie qui est située à 2 milliards d'années de lumière de nous. Et donc, voici l'optique. Vous voyez quelque chose qui est un blob, en fait, qui ne semble pas très, très intéressant. Il y a quelque chose de très brillant au centre, quand même. Et voici la même galaxie, mais vue dans le domaine radio. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une éjection bipolaire très symétrique de gaz complètement centré en fait sur le centre de cette galaxie qui est en fait le noyau actif ou le trou noir de cette galaxie et donc ces jets chauffent le milieu intergalactique et en rouge ici vous avez l'émission en fait des rayons X, vous voyez le gaz de gaz extraordinairement chaud. Alors depuis tout le temps la présence de ces trous noirs a été un domaine d'activité observationnelle et théorique extrêmement important dans l'astronomie moderne. Et un des rêves, effectivement, c'était toujours de prendre une image du trou noir. Alors, vous savez qu'il y a un trou noir dans notre propre galaxie. Il a été mesuré de manière extrêmement détaillée, en fait, avec, on connaît sa masse de manière très, très précise, c'est l'ordre de 4.1 plus ou moins 0,003 millions de masses solaires. On a fait ces mesures avec des mesures très, très détaillées, très longues, des orbites des étoiles proches qui orbitent en fait autour du trou noir dans notre galaxie. Et voici des modèles, en fait, de
comment apparaîtrait un trou noir vu dans les ondes millimétriques. Vous voyez en fait donc l'ombre du trou noir, c'est un trou noir, et autour, vous voyez en fait la surface de dernière diffusion qu'on appelle « the event horizon », au-delà duquel en fait plus rien ne peut être détecté ni s'échapper. Et c'est en fait des tailles très très petites, et pour vous donner une idée, le rayon de Schwarzschild pour le trou noir dans le centre galactique est l'ordre de 10 micro-arcs-secondes. Alors pour faire ça, évidemment 16 km comme ALMA, c'est très très bien, mais ça vous donne peut-être 0,2, 0,1 arc-seconde pour des très hautes fréquences, et vous êtes encore à deux facteurs près, en fait, à deux ordres de grandeur près de ce que vous devez avoir pour mesurer ce que vous voulez faire dans le centre galactique. Donc l'idée, c'est, au lieu d'utiliser ALMA ou NOEMA, mais c'est d'utiliser tous les moyens qui existent sur la Terre, et de combiner tous ces télescopes, toutes ces facilités, du nord au sud, dans un gigantesque et unique instrument, en observant en fait de manière extrêmement rusée, où tous les instruments observent en même temps, on enregistre tout et ensuite on coordonne et on synthétise toutes les images après coup. Donc ça demande beaucoup beaucoup d'efforts, et en particulier une maîtrise complète du moment précis où arrivent les photons sur les antennes. Donc on utilise des horloges atomiques pour ce faire. Et ce travail a donc été fait depuis longtemps. En fait, c'est fait dans le domaine centimétrique, mais depuis quelques années, il y a un projet international qui a été mené pour faire ce genre d'observation dans le domaine submillimétrique et millimétrique. Et donc en 2017, après 15-20 ans de grand travail d'organisation, d'essais, etc., il y a une campagne faite où on a donc connecté tous ces télescopes, que ce soit le télescope à l'IRAM, le 30 mètres, à Hawaï, celui au Mexique, au pôle sud, et bien entendu ALMA, qui a joué un rôle important. On a regardé en fait aussi bien le centre galactique, le trou noir dans notre centre galactique, qu'un trou noir dans une galaxie plus lointaine, qui est Messier 85. Donc, je vous montre ici ce qu'est cet objet qui est Messier 87, qui est situé à 500 millions d'années-lumière. Et donc ça, c'est une image HST. Et vous voyez au centre un espèce de jet qui est clairement un jet qui est éjecté par le trou noir, qui en fait est très, très massif et actif et très lumineux. Donc voici la même galaxie vue ici dans les ondes radio. Et vous voyez en fait un énorme ensemble en fait de gaz, d'éjection, etc., une énorme activité que vous n'auriez jamais soupçonné en voyant cette image plutôt confuse d'une galaxie, sphérique, elliptique. Donc voici donc la partie optique, et donc aller dans la radio, et pour aller de plus en plus, des rayons de plus en plus grandes. Donc voici la première approche, vous voyez donc le jet avec le contre-jet ici, donc ici une meilleure résolution, ici encore une meilleure résolution, et finalement, donc, en utilisant tous les instruments que j'ai montré tout à l'heure sur la map monde, vous avez cette image qui a fait le tour du monde, en fait, de l'Event Horizon dans le trou noir de Messier 87, qui est la première image du trou noir dans une galaxie. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est ici rapidement, si vous voyez l'Event Horizon, la singularité au centre, vous voyez les jets relativistes, et puis ensuite, toute cette matière qui est autour, qui est en fait l'orbite, le dernier orbite de stabilité avant le trou noir. Donc c'est vraiment un exploit extraordinaire. Vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi le centre galactique n'a pas encore été montré. Simplement, c'est beaucoup plus difficile parce que, bien que ce soit plus proche, vous traversez tout le disque galactique, donc il y a beaucoup d'oscillations, de scintillations, mais surtout aussi le centre galactique qui change énormément sur des temps qui sont d'ordre de 10 minutes, etc. Et donc, c'est très difficile. Dans l'image que tu présentes là, quelle est la part de... Ah non, oui, ici. Si. Non, avant. Voilà. Quelle est... C'est bon. Oui. Non, la dernière, enfin, je ne sais plus. Bon, ça c'est observé, mais juste... Voilà, ici. Quelle est la partie observée et la partie simulée? Parce que c'est des questions qu'on pose là. Ah, d'accord. Donc en fait, la partie à droite, c'est un schéma. À gauche, c'est simulé en fait. Et vous voyez en fait donc, ce que ALMA a vu. Donc c'est pas très loin, en rouge. Et puis en bleu, là, vous voyez en fait tout ce qui est la sphère de photons et qui est simplement un modèle. Et donc, ça n'a pas été observé.
Mais par contre, ce qui était observé, c'est l'émission en rouge ici, qui est véritablement disons, la surface de dernière diffusion. Et donc, je dirais, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que la taille de ce trou noir, en fait, fait de l'ordre de 100 milliards de kilomètres, ce qui est beaucoup plus étendu que le système solaire, et pour une masse qui est de l'ordre de 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Donc, je vais finir, en fait, dans les dernières minutes qui me restent, sur un aperçu très rapide, un voyage très, très rapide ici dans les confins de l'univers. Donc, en fait, vous voyez à gauche ici une orientation pour vous donner une idée. Donc, essentiellement, ce qu'on regarde ou ce qu'on peut voir, c'est donc après les âges sombres, la réionisation et la formation des premières étoiles et des premières galaxies, et ensuite la formation des galaxies et ce qu'on appelle le pic en fait, d'évolution des galaxies qui se passe à un redshift de l'ordre de 2, qui correspond en fait à un temps qui est de l'ordre quelque chose comme 8 ou 6 milliards d'années après le Big Bang. Alors, une des grandes questions, c'est comment les galaxies se forment. On sait que ça se forme par accrétion de matière, et comment la matière est accrétée est encore peu contrainte en fait, par les observations actuelles. Donc, pour sonder en fait, cet univers lointain, une des choses qui peut nous aider pour avoir des détails sur les objets qu'on peut regarder, c'est l'amplification gravitationnelle. Quand vous avez entre l'objet et vous un objet très massif qui est plus proche et qui amplifie, comme l'avait prédit Einstein, en fait, les rayons, la lumière qui vient vers vous, en la distordant, mais aussi en l'amplifiant, ce qui facilite en fait les observations. Donc, voici des exemples avec ALMA, et donc un exemple que j'aime toujours montrer, qui est la source SDP81, qui est située à 12 milliards d'années-lumière. Vous voyez en fait, c'est un point qui est un peu brillant ici dans cette image, qui montre plusieurs dizaines de milliers de galaxies qui ont été mesurées par le satellite Herschel, et on a donc observé cet objet dans le domaine millimétrique, sous-millimétrique. Et donc, voici donc l'objet qui amplifie la lumière qui nous vient de tellement loin. Et voici l'objet en question, vu par ALMA. Vous voyez en fait un mélange d'émissions de poussière, de molécules, y compris d'ailleurs la molécule d'eau. Donc, on peut modéliser en fait cette émission en revenant à la distribution réelle dans le plan, ce qu'on appelle le plan source. Et voici donc un résultat d'une telle modélisation. Moi, ce qui m'impressionne toujours, même si je travaille dans ce domaine, c'est de réaliser en fait qu'on arrive à avoir des résolutions spatiales qui correspondent à peu près à la taille d'un nuage moléculaire géant dans notre propre galaxie, mais ici vu à 12 milliards d'années-lumière de distance. Donc rapidement, on peut aussi regarder avec les instruments actuels et surtout avec NOEMA, à cause des très larges battements de passants des récepteurs, on peut obtenir des spectres très étendus en fait en fréquence et donc sonder aussi quelle est la composition chimique de ces objets, même à très grande distance. Et donc voilà deux exemples qui vous montrent en fait des spectres complets de galaxies très lointaines. Vous voyez aussi qu'il y a il y a la présence de l'eau, mais il y a aussi d'autres espèces que le monoxyde de carbone, comme la HCl, la HCO+, etc. C'est un domaine aussi qui explose avec de plus en plus de galaxies et des spectres très profonds qui montrent la richesse en fait, chimique de ces objets, même à très grande distance de chez nous. Un autre thème très intéressant, c'est l'agglomération de galaxies, en fait, ce qu'on appelle des protoclusters. Vous voyez en fait un exemple ici tout à fait saisissant d'un objet en fait, dans lequel il y a une quinzaine de sources qui appartiennent tous au même objet et qui ont été formées en même temps ou qui sont accrétées en même temps, où il y a en fait des interactions dynamiques entre ces objets-là, avec, vous voyez en fait ici des raies de carbone ionisées qui ont été mesurées. Et en fait, ces objets sont très rares, mais en fait, on en connaît maintenant de plus en plus. Et c'est des objets tout à fait fascinants à observer, à comprendre, à étudier, pour essayer de savoir en fait comment se forment ces galaxies et quelle est leur évolution. Pour finir, en fait, ici, donc, la galaxie la plus lointaine détectée à ce jour, qui est une galaxie qui est à une distance donc en redshift à 9.1, mais qui correspond à peu près à 250 millions d'années après le Big Bang, donc à peu près quand l'univers avait 4% de son âge actuel, vu ici dans une raie de l'hydrogène que je montre ici. C'est amplifié et en fait c'est une galaxie tout à fait anodine qui forme quelque chose comme une vingtaine de masses
de soleils par an et qui clairement fait partie de la première génération des galaxies. Et voilà donc cet aperçu très rapide sur un sujet qui me passionne et sur lequel je pourrais passer des heures, mais je voulais donner un aperçu global de la quantité de choses qu'on peut observer et étudier avec les instruments que sont NOEMA et ALMA. Donc, pour finir, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre attention. Je vais peut-être un peu déborder mon temps, plutôt par enthousiasme que par en le voulant. Je vous remercie donc aussi pour votre patience. Et finalement, comme j'ai commencé avec un renard, je vais finir avec une image qui montre le plateau de Chasse-Nantor avec toutes les antennes ici en compréhension compacte. Et au premier plan, à droite, le véritable directeur d'ALMA sur le site à 5000 mètres, qui est le renard endémique de l'Atacama, avec lequel j'ai eu une conversation un jour qui a duré à peu près un quart d'heure et qui est tout à fait fascinante. Et je crois que peut-être qu'il a écouté aujourd'hui aussi ma présentation, mais le problème, c'est qu'il n'a presque rien compris et donc je suis tout à fait ouvert à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, je vous remercie. Merci, bravo. Eh bien, quel voyage, hein. Nous sommes passés des planètes à l'univers lointain, à Z égale 9. Et bien entendu, une présentation comme ça suscite de nombreuses questions. Alors, j'ai noté plein de questions et je vais me faire le représentant de tous ceux qui t'ont suivi pour te poser quelques questions, si tu es d'accord, Pierre. Oui. Et puis le renard aussi m'en a soufflé quelques-unes dans l'oreille. Alors, c'est curieux de savoir ce que le renard a posé comme question. Ah oui, mais écoute, on a des trucs hein, entre nous. Je garde ça pour moi. Mais en tout cas, il m'a demandé si, parmi toutes les molécules que vous observez, s'il n'y avait pas des molécules d'alcool de temps en temps. Quel type d'alcool ? Absolument des molécules d'alcool, absolument. Oui. Alors, c'est quel alcool ? J'en ai pas montré là, mais c'est effectivement des molécules que l'on peut trouver. Et du méthanol ou de l'éthanol ? Il y a de l'éthanol, il y a du méthanol, c'est des molécules très intéressantes en fait. Pas seulement pour les raisons auxquelles tu peux penser, mais. Ah ben bah oui, bien voilà, justement, je voulais en venir là. Bon. Donc, j'imagine que parmi toutes les molécules qui sont recherchées, tu parlais de molécules prébiotiques, donc c'est un des programmes, ça, d'ALMA ou de NOEMA, d'essayer de trouver des indices de présence de vie quelque part dans l'univers ou... Non, alors je pense que ça, c'est ça, je pense qu'ALMA ou NOEMA ou ces objets-là ne sont pas les objets qui vont véritablement regarder une planète extrasolaire, c'est parce que c'est trop, trop, trop faible, en fait, ça n'arrive pas. Par contre, je pense que ces instruments vont jouer un rôle de plus en plus grand pour comprendre en fait de manière globale quelle est l'évolution. Comme toujours en astronomie, quand vous regardez un objet, vous le regardez dans un moment donné de son existence. Mais par contre, l'univers est très grand et donc vous pouvez avoir beaucoup d'objets du même type que vous pouvez observer et comparer en fait, parce que ces objets sont tous à des moments différents de leur existence, et de voir en fait quelles sont les évolutions, si c'est comparable, si ce n'est pas comparable, qu'est-ce qui est différent dans telle et telle condition. Et donc c'est un travail en fait de très longue haleine, mais qui à mon avis est absolument essentiel. La sensibilité d'ALMA en particulier, et aussi la possibilité donc, de couvrir des très grandes bandes de fréquences avec NOEMA, sont des aspects essentiels pour sonder en fait la composition du gaz moléculaire dans ces objets et de les comparer. Alors, oui, excuse-moi. Oui. Et donc, en fait, je pense que, comme j'ai montré, il y a par exemple cet résultat tout à fait extraordinaire, je trouve, sur les molécules phosphorées, donc détectées dans une région de formation stellaire. Et ensuite, après coup, dans les données prises par Rosina sur Rosetta, donc ça montre qu'il y a un lien. Et c'est ce genre de scénario, de compréhension de qu'est-ce qu'on trouve, où, etc., et d'abondance, de variation d'abondance, qui sont tout à fait essentielles pour comprendre l'évolution, la complexification, et comment, en fait, par exemple, comment les comètes, par exemple, ou les astéroïdes, on sait que c'est très riche en molécules, très complexes, et la question est de savoir où est-ce que ça se forme. Alors, il y a parmi les questions qui ont été posées, là, justement, puisque tu dis que l'univers est vaste, tout le monde a été saisi par cette évidence-là. Et donc, il y a eu deux questions. Une,
ALMA semble être une méthode indirecte pour détecter des exoplanètes. Est-ce vrai? Et une autre question qui est un peu reliée, qu'est-ce qui préside au choix des régions que vous étudiez? Comment vous les choisissez devant une telle diversité d'objets devant, voilà. Alors, la première question, effectivement, je pense que ALMA, comme je disais tout à l'heure, ne peut sans doute pas détecter directement une planète extrasolaire, bien qu'il y a des idées en fait, qui ont été agitées et qui sont très intéressantes, comme par exemple l'effet que peut avoir une planète sur la dynamique du gaz, et de regarder en fait une espèce de friction, et donc de regarder les perturbations en fait, dynamiques dans des endroits particuliers du disque protoplanétaire. Je vous ai montré là un résultat tout récent où effectivement les bras spiraux qu'on voit au sein du disque avec cette espèce d'accro en fait au son centre qui est tout à fait compris par un modèle où il y a une perturbation par une planète est une disons indication indirecte qu'une planète telle planète existe. Ce qui est intéressant aussi à savoir et que j'ai oublié de dire, c'est que les observations qui ont été faites avec le VLT, donc dans le proche infrarouge, ont été faites 4 ans après ALMA. Et on voit clairement, parce que les observations sont faites avec une très grande précision, qu'il y a un décalage en fait, dans la position de la structure qui correspond très exactement en fait, à ce qu'on prévoit de la rotation keplérienne. D'accord. Ça, oui. Alors, parmi les autres questions, puisque ALMA a un petit peu étonné… La deuxième question, qui est de savoir comment on choisit les objets. Alors ça, c'est un vaste débat, mais il y a tout un ensemble, par exemple, d'étoiles qu'on connaît, on sait être au bon moment en fait, de leur vie pour avoir des disques protoplanétaires, etc. Et donc, on choisit parmi ces étoiles-là, on fait des grands surveys et on regarde en fait ce qu'il y a. Voilà, ça veut dire qu'un instrument comme ALMA, qui est un grand instrument, s'adosse sur des instruments plus petits qui vont effectivement aider à filtrer, à identifier, à choisir des objets de choix. Quoi. Absolument. Aussi bien pour tous les sujets, que ce soit les nébuleuses protoplanétaires ou bien même les galaxies à très grand dans l'univers lointain. On a besoin en fait, de sondages avant qui couvrent des très grandes parties du ciel parce que c'est comme ça qu'on trouve les objets. Et ALMA, en fait, disons, est trop détaillé pour se permettre des surveys complets du ciel. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc, on dépend véritablement de plus d'instruments qui peuvent couvrir des grandes parties du ciel avec une grande sensibilité, mais avec une moins bonne résolution angulaire. Alors, en voyant les images du site, quelqu'un a posé une question qui paraît évidente, finalement, c'est comment sont réparties ces antennes l'impression étant qu'ils ont l'air distribués de manière aléatoire. Est-ce que c'est vrai? Non. Alors, en fait, pour répondre rapidement, pour Noéma, c'est clair, je vais montrer l'image. Donc là, c'est vraiment rectiligne, en fait. C'est nord-sud, est-ouest, sur des rails. Donc, la question ne se pose pas. Pour ALMA, surtout avec l'image qui est là, on peut se poser la question. D'abord, il y a beaucoup d'antennes et donc il faut se placer un peu haut pour regarder à quoi ça ressemble. Mais alors, je crois qu'il y a 192 pieds sur lesquels l'antenne peut se poser, qui sont répartis sur le plateau. Et en fait, on peut faire des configurations très différentes et on les choisit chaque fois en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Mais de façon générale, l'organisation des antennes d'ALMA est faite en fait dans une espèce de grands bras spiraux. Et la configuration ou la disposition des antennes n'est pas du tout aléatoire, elle est toujours faite de telle manière que vous optimisez en fait ce que je montrais tout à l'heure, en fait, qui est ce qu'on appelle la couverture du plan UV, ce qui est de remplir au mieux, de manière la plus efficace possible, cette grande surface virtuelle de l'antenne de 5 km, de 7 km. De 2 km, de telle manière que dans un nombre de données d'heures, vous remplissez le mieux possible la surface qui vous intéresse. Mm-hmm. Donc ça demande donc des poids, etc., et de regarder exactement où placer au mieux les antennes pour cet effet. On les déplace comment, ces antennes? Je n'ai pas montré la photo, mais il y a deux énormes camions qui sont d'ailleurs des merveilles techniques avec quelque chose comme 26 couples de roues.
chacun indépendantes, qui peuvent dépasser les antennes non seulement sur le plateau, mais aussi de 3 000 mètres à 5 000 mètres quand il faut faire des opérations techniques sur les antennes. Donc c'est toujours très impressionnant. Et le camion, en fait, a tout un système pour garder le centre d'équilibre de telle manière que l'antenne, bien que le sol soit pas du tout soit irrégulier, il y a des pentes, etc., l'antenne reste toujours à la même position. Alors moi, j'ai une question qui est de savoir si, avec Alma, on peut étudier ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Absolument. Alors, je n'ai pas montré de résultats de polarisation, mais ils sont tous très spectaculaires. Il y a effectivement tout ce qu'il faut pour faire ça. Il y a des résultats qui sont très beaux, y compris d'ailleurs dans les disques protoplanétaires, mais aussi par exemple dans les filaments autour des étoiles en formation, dans les régions sombres, qui tracent vraiment les champs magnétiques. Donc, il y a tout un travail tout à fait passionnant qui est en train de se faire. Oui. Avec l'orientation du champ magnétique, etc., etc. Effectivement, j'aurais peut-être pu montrer des résultats. Parce non, c'est pas ça. Moi, j'avais une question. Ça m'amène à une autre question, puisque avec Alma, vous découvrez des molécules prébiotiques, etc., et que le problème de l'origine de la vie est toujours intéressant, est toujours posé. On sait que la plupart des molécules vivantes sur Terre sont lévogyres, c'est-à-dire que polarisent à gauche. Et une des hypothèses serait que finalement notre étoile Soleil serait née dans un milieu interstellaire qui avait déjà une polarisation plutôt gauchère. Est-ce qu'on pourrait faire ce genre de test en observant des nébuleuses, par exemple? Oh, wow. Là, il faudrait que je réfléchisse à cette question-là. C'est une très bonne question. Merci de la poser. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Je ne peux pas répondre comme ça. C'est le renard qui demandait. Si c'est le renard qui demande, il est vraiment rusé, comme toujours les renards le sont. Ils sont très fins. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à quoi ressemble, qui a posé la question là, sur l'écran, à quoi ressemble l'univers à grande échelle? Voilà, ça nous éloigne un peu, mais comme tout à l'heure, tu as parlé de la diversité et de l'immensité de l'univers, donc quelqu'un a posé cette question en disant bah, finalement, peut-être que l'univers lui-même n'est pas plus grand qu'un grain de sable. Vous voyez, on est dans les poupées russes, là. C'est nouveau le renard qui parle, là. C'était un auditeur. Donc en fait, moi je pense il y a tout d'abord il y a effectivement bon, pas avec Alma, mais il y a d'abord des observations qui ont été faites à travers différentes tranches de distance, etc., qui montrent dans la structure généralement filamenteuse de l'univers, avec toutes les galaxies, les groupes de galaxies, les interactions qui sont entre les galaxies. Et je veux dire, c'est aussi montré, par exemple, avec les structures mesurées avec le satellite Planck, mais aussi par tous les modèles en fait, d'évolution, etc., qui montrent cette structure extraordinairement filamenteuse de l'univers. Donc, si j'avais à répondre à cette question, je pense effectivement que l'univers ressemble à une espèce de gigantesque structure de filaments très compliquée d'interaction avec des nœuds et où les galaxies se forment, etc. D'accord. Il y a une question là, à laquelle il faudrait répondre parce qu'on n'a peut-être pas précisé. Quelqu'un demande à quoi correspond la polarisation? Qu'est-ce qu'une polarisation? Ben, une polarisation, en fait, c'est quand la lumière est par exemple prise dans un... Je sais pas, un grain de poussière, par exemple, qui est aligné dans une certaine direction, et que vous mesurez en fait une quantité de lumière dans une direction donnée qui est beaucoup plus grande que dans une autre, qui est orthogonale, par exemple. Et donc ça, c'est la polarisation. Et donc là, toute la première chose, c'est de pouvoir mesurer ça, et puis la deuxième chose, c'est de comprendre en fait pourquoi c'est polarisé et à quoi c'est dû. Donc là, il y a un tas de phénomènes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont parfois très compliqués. En particulier, par exemple, dans les nébuleuses protoplanétaires. Parce qu'il y a des effets de diffusion aussi qui peuvent mimiquer, en fait, qui peuvent ressembler à des effets de polarisation et qui perturbent, en fait, l'analyse. Alors, une autre question. La galaxie qui a été découverte à Z égale 9 et quelques, c'est la plus lointaine connue? C'est Alors, je ne sais pas si c'est la plus lointaine connue. Je pense qu'il y en a qui sont un peu plus loin.
Mais c'est la plus lointaine détectée par ALMA ce jour. Alors, elle est détectée avec la raie spectrale à 88 microns. Oui. Il n'y en a qu'une. Avec une seule raie spectrale, on ne peut pas déterminer un décalage. Non, parce qu'en fait, on connaissait, on avait une idée du redshift dans la distance par les mesures qui avaient été faites et qui ont permis de vraiment détecter cette galaxie. Alors, je ne connais pas vraiment tous les détails, mais je sais que en fait, par la lumière aussi décalée, en fait, mais dans le domaine proche infrarouge, on peut avoir une idée de ce qu'est le redshift. Et donc, ALMA, effectivement, avec une seule raie, a pu confirmer que c'était le cas. D'accord. Alors, est-ce que tu acceptes une dernière question ? Oui, alors, quelqu'un demande la différence qu'il y a entre l'ombre d'un trou noir et l'horizon des événements. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de trous noirs, mais l'ombre du trou noir, en fait, c'est vraiment le trou noir lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas du tout, on ne pénètre pas dans le trou noir, et donc, c'est noir. Par contre, toute la surface qui est autour, en fait, qui est cette surface en fait, que j'ai montrée tout à l'heure, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le event horizon. Et si vous voulez, en fait, c'est vraiment la meilleure façon de décrire ça, c'est vraiment le bord, en fait, de dernière interaction avant que tout ne disparaisse dans le trou noir, avant les effets, comme disait Stephen Hawking, de spaghettification. D'accord. Merci. Quelqu'un demande aussi s'il y a d'autres nouveaux projets d'interféromètres submillimétriques ou une extension de ce qui existe déjà. Bon, ça, c'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas, autant que je sache, de grands projets parce que ALMA est tellement grand. En fait, tu disais tout à l'heure que c'était international. J'aurais peut-être dû dire aussi qu'effectivement, il y a 16 pays en fait, qui sont derrière ALMA, donc trois grands partenaires hein, qui sont l'Europe, les États-Unis qui sont à part égale, et puis l'Asie du Sud-Est, donc le Japon, le Corée du Sud et Taïwan, plus le Chili, bien entendu. Donc, par contre, il y a des projets de développement en fait, d'ALMA pour remplacer soit des récepteurs, d'avoir un meilleur corrélateur, éventuellement d'avoir d'autres antennes. Et c'est en discussion. Et donc, il y a toujours possibilité. Et je sais de quoi je parle, puisque Noema est un exemple, qu'avec un interféromètre, on peut toujours l'augmenter, on peut rajouter des pièces et conserver en fait les caractères uniques de cet instrument. Je pense qu'on ne construira pas un deuxième ALMA, parce qu'il est dans un endroit qui est idéal pour ce faire, et qu'il y a sur la concession sur laquelle est l'instrument assez de place et de possibilités en fait de l'agrandir. Donc je pense que ça restera. Par contre, on construit aujourd'hui un autre interféromètre, mais dans des domaines complètement différents, qui s'appelle le Square Kilometer Array, qui est un des projets les plus ambitieux qui a jamais été fait en astronomie sur le sol. Et ça, ça demanderait un exposé tout à fait à part. C'est un instrument qui est en Afrique du Sud et en Australie. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup, Pierre. C'était formidable. Je crois que tu nous as emmenés très près et très loin en même temps. Et il y a eu beaucoup de réactions, une belle participation. Et je propose qu'on t'applaudisse tous très, très fort. J'espère que tu entends. J'entends au moins le tien. Avant qu'on se quitte, j'aimerais donc vous remercier pour votre attention, pour toutes les excellentes questions auxquelles j'espère j'ai pu répondre. Clairement, et je regrette beaucoup de ne pas vous avoir vu et de parler devant mon ordinateur, mais je sais que vous êtes là et donc j'aimerais vous remercier et j'espère finalement, les dernières paroles, que tout va bien pour tout le monde et que vous profitez comme il faut du déconfinement. Merci Pierre. Alors je vous invite tous à nous rejoindre pour la dernière conférence à distance qui aura lieu le 7 juillet. Qui sera donné dans les mêmes conditions, donc vous avez l'air déjà habitué. Le thème, c'est extrêmement intéressant également, le thème c'est la Lune, des astronomes diplomates au cœur de la guerre froide. Donc c'est effectivement que se passe-t-il au moment où des premières explorations de la Lune par les Américains et les Russes, enfin par les Russes et les Américains. Donc c'était en pleine guerre froide, et comment les astronomes ont pu gérer cette situation, puisqu'ils étaient effectivement au cœur de ces événements. Voilà. Donc, nous vous attendons très nombreux. Merci encore et à bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Merci, Pierre. Salut. Salut.